بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو هذه في دون لا شان فارماسي جيت. سيت فيديو سي لا دوزيام بارتي تاع لا بروميير فيديو كو جي انتيتولي لانتوكسيكاسيون الو. دونك هذه فيها كلكو كونساي برك. دونك نقول ان بتي رابيل كو لانتوكسيكاسيون الو سي اون كونسيكونس تري غراف ا برونوستيك فيتال. دونك الانسان يقدر يموت s'il est si on le traite pas de façon urgente ben diurétique et des sels de réhydratation on voit intraveineuse directe pour rétablir l'équilibre hydroélectrolytique bien sûr voilà qui doit être rétabli le plus tôt possible sinon les cellules nerveuses vont continuer à exploser donc ben il va convulser et entrer dans un état de choc éventuellement si on le traite pas il va mourir. Donc il ne faut pas négliger cette conséquence très grave. Des conseils, on signe les conseils pour les sportifs. Les sportifs qui mettent des courses de long trajet, par exemple les coureurs, les marathoniers, etc. Qu'il y ait des amateurs ou des débutants, ils mettent un fouche à l'amrada. Ou je crois que ils ont des sels de réhydratation oraux à un pharmacien où il faut bien les préparer. Il faut bien respecter le il atteint 200 cc, 200 cc, il atteint 1 litre, 1 litre, etc. Ou il chrobe les sels de réhydratation, enfin la solité hydrique pendant toute sa course. Il a des petites gorgées, puis je mets trage en respectant le trajet. Il va diviser le trajet, la quantité bu selon le trajet parcouru. Mais que je mets trage en même temps, mais pêche dans la contre-indication. Donc, il va acheter des sels de réhydratation chez le pharmacien, il les prépare ou il les met dans la course. Soit que ce soit un coureur ou un marathonnier ou un sportif quelconque, le mohim qui a fait le choix de lui, il va perdre une grande quantité de sueur, il faut faire cette démarche. Ou le dernier qui est le hals khoun, même si on fait du sport, pas violent avec Dayazama, ou à la température élevée, donc on va expulser une quantité très importante en sueur. Donc il ne faut pas oublier ce détail. Hadiya, ou Ishraba pendant toute son activité sportive, pour ne pas tomber dans la contre-indication, dans les conséquences graves. Hadiya, voilà l'intoxication à l'eau. Hada, ce que je voulais dire, cette vidéo complémentaire. وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.